chat. On imagine comme un jeu d'enfant. Voilà, je m'appelle Michael Miro. Peut-être qu'on a fait connaissance par l'intermédiaire des ondes FM, peut-être des clips. J'avais une chemise comme ça, c'était il y a 3 ans, j'attendais le bus. J'étais sous un abribus, je chantais Dame Dame Déo, l'horloge tourne. L'horloge tourne, les minutes sont acides et moi je rêve que passe le mauvais temps. Dame Dame Déo. C'est l'histoire d'une chanson qui s'appelle L'horloge tourne, que je vais composer à la guitare il y a 4 ans. Et puis cette chanson va faire du chemin et elle va me frayer un passage dans cet univers fou. Et puis après, L'horloge tourne, ça a été un album avec d'autres chansons. Et voilà, et les gens ont aimé ce premier album, cet univers. Oui, je me suis même inscrit il y a une dizaine d'années à plein de concours comme ça, la Starac, voilà, je me suis inscrit comme des milliers de gens. Et puis bon, ça n'a jamais fait. Ça se résume pas en une phrase, hein, mais d'un coup, je vois cet artiste, je vois cet homme, tout prend un sens, je me dis, oui, voilà le mec qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand même, je rencontre une idole, alors d'un coup je deviens un enfant. Forcément, quand on rencontre ses idoles, on redevient un petit enfant. C'était la première rencontre physique, en vrai, en concert. Et ça s'est très très bien passé, je dois dire. Alors là, peut-être que c'est mon côté un peu... J'aime bien déconner, blaguer entre deux chansons. C'est ce tout-là, peut-être, qui fait que c'est en train de devenir une belle histoire d'amour avec mon public. Être quelqu'un d'optimiste. Freak control. J'ai envie de tout contrôler. Et en même temps, c'est mon bébé, c'est ma musique, donc on a toujours peur quoi pour ses enfants. C'est bien choisir sa babysitter, c'est la même chose. Babysitter. Mon père. Peut-être ne pas m'être mis à la guitare plus tôt. C'est faire un duo avec Bob Marley. Bah c'est aide-toi et le ciel t'aidera. La vie c'est plus grand. Bonheur en prime. J'ai fait un premier album, là on sort le deuxième album. C'est vachement sympa. Vraiment, pour le coup, faut venir en concert. En plus, si tu es célibataire, il y a souvent d'autres célibataires. Donc je me dis que même si tu n'aimes pas la variété française, viens au moins pour pécho. Voilà. Dame, dame.